السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ces jours-ci, la presse et les médias occidentaux font l'observation suivante, à savoir que vous, les Ahmadis, évoquez les préceptes de paix de l'islam, tandis que la majorité des autres musulmans ne le font pas. Et la plupart des autres musulmans ne vous considèrent pas musulmans non plus. D'ailleurs, vous, les Ahmadis, vous êtes très peu nombreux comparés aux autres musulmans. En ce cas, comment pouvez-vous affirmer que vous suivez les véritables préceptes de l'islam? Cette question m'a été posée en Allemagne lors de ma récente tournée. Il demande aussi que comment pourrez-vous convaincre les autres musulmans à suivre cet enseignement que vous présentez comme l'islam véritable? Nous leur répondons toujours que les préceptes de l'islam que nous présentons sont puisés du Saint-Coran, des hadiths et de la conduite du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne disons pas des paroles en l'air dans le but d'impressionner autrui ou pour dissiper leurs critiques, notamment le fait que l'islam ne prône en aucun cas l'extrémisme. Ni d'ailleurs n'avons-nous changé de position en raison de la situation actuelle du monde. Nous prouvons que l'islam a toujours prôné le respect des droits d'Allah et le droit de ses serviteurs. La question demeure quant à la manière que nous allons utiliser pour convaincre les autres musulmans à suivre cet enseignement. La réponse gît dans l'avènement du Messie et du Mahdi promis, en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, avènement qui aura lieu à l'époque où les musulmans sombreront dans la corruption. Le Messie et le Mahdi promis aura pour mission de réformer les musulmans et d'informer le reste du monde à propos des préceptes véritables de l'islam. La prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée dans toute sa splendeur. Allah l'exalté a envoyé le Messie et le Mahdi promis en cette période.
et celui-ci nous a fait connaître les véritables préceptes de l'islam et les véritables préceptes du Saint-Coran. Et il a évoqué la sagesse sous-jacente de chaque précepte de l'islam. Nous, les musulmans Ahmadis qui avons accepté le Messie promis l'islam, eh bien, nous présentons aux musulmans et aux non-musulmans ces préceptes de l'islam. La transmission du message et cette tâche de missionnaire nous incombe. D'ailleurs, nous sommes en train d'accomplir cette tâche et nous ne cesserons de le faire, Inch'Allah. Les communautés divines et les communautés des prophètes ne progressent pas en quelques jours. Leur expansion et leur progrès sont graduels. Nous expliquons à nos interlocuteurs. Vous demandez par quels moyens nous pousserons les autres musulmans à suivre cet enseignement. La Jamaat Ahmadiyya compte à présent des millions de suivants, dont la majorité appartenait à d'autres communautés de l'islam dans le passé. Ils appartenaient à ces autres communautés de l'islam et ils ont compris le message. D'ailleurs, la majorité des musulmans se joindront à nous quand, peu à peu, ils comprendront les véritables préceptes de l'islam, les déclarations du Messie promis l'islam, ainsi que les instructions et les prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils comprendront tout cela, ils se joindront à nous, et les suivants des autres religions aussi vont se joindre à nous, et ne cessent de se joindre à nous, et Inch'Allah, un jour, cette minorité se transformera en majorité. Telle est la promesse divine, et nous en voyons les exemples au quotidien. Tous les ans, des centaines de milliers de personnes se joignent à la Jamaat Ahmadiyya, dont une majorité de musulmans. En dépit du fait que les moyens nous font défaut et que nous avons peu de missionnaires, Allah nous accorde des résultats extraordinaires. Voir Allah lui-même guide directement nombre de personnes, des personnes qui par la suite se sont jointes à la Jamaat. Ainsi, beaucoup de personnes ont connu la Jamaat du Messie promis l'Islam grâce à des rêves. La véracité du Messie promis l'Islam s'est aussi dévoilée à eux. Pour quelque raison, ils se sont souvenus par la suite, après quelque temps, du rêve qu'ils avaient vu durant leur enfance, le rêve qu'ils avaient vu durant leur jeunesse ou bien longtemps auparavant. Et ils se souviennent de ce rêve et cela les pousse à prêter le serment d'allégeance. D'aucuns connaissent déjà la Jamaat, accomplissent ensuite la prière istikhara et se joignent à la communauté Ahmadiyya après avoir été guidés par Allah l'Exalté. D'aucuns entendent notre message grâce à nos missionnaires, grâce à nos mouallimines, grâce à nos prédicateurs. Ils entendent aussi ce message ces temps-ci grâce à nos radios et nos chaînes de télévision. Allah leur ouvre le cœur après qu'ils ont entendu ce message. D'aucuns embrassent l'Ahmadiyya après avoir vu l'hostilité de nos adversaires et la fin de ses adversaires. Allah montre des signes à d'autres personnes. Allah l'Exalté avait révélé au Messie promis l'Islam qu'il allait l'honorer et qu'il allait accroître son nombre. En 1883, le Messie promis l'Islam n'avait pas encore établi de communauté, il ne s'était pas encore proclamé Messie et Mehdi, voire très peu de personnes le connaissaient en ces temps-là. Allah lui avait révélé ces paroles à cette époque.
que Katabahu l'Arlibana Anna Warusudi, à savoir qu'Allah a décrété que lui et ses prophètes remporteront la victoire. À l'époque, le fondateur de la communauté Ahmadiyya ne s'était pas encore proclamé Messie et Mahdi. Allah lui avait aussi révélé cette parole, la mubaddila li kalimati, à savoir personne ne pourra différer la parole d'Allah. Le Messie premier l'Islam a reçu de nombreuses révélations sur l'expansion et le progrès de sa Jamaat. Allah l'exalté lui avait révélé « Je t'accorderai du progrès et j'augmenterai le nombre de tes bien-aimés ». Aujourd'hui, la communauté de cette personne solitaire à qui Allah avait promis le progrès, eh bien sa communauté s'est répandue dans le monde entier. D'ailleurs, elle ne cesse de progresser de jour en jour, et tous les jours, des nouveaux venus rejoignent ses rangs. Dieu guide ces personnes. Je présente ici-bas quelques exemples quant à la manière qu'Allah ouvre la voie et guide ces personnes. Il y a entre autres les récits de ceux qui deviennent Ahmadis grâce à des rêves. Notre missionnaire de Kazan relate ceci. Nous étions en train de prêcher notre message à un certain monsieur San Sophie Leyef. Nous avions répondu à ses questions et après quelque temps, il a fait la baïra. Il a prêté le serment d'allégeance. Il relate ceci à propos de sa conversion. Il dit, dans un rêve, Allah l'exalté m'a montré que j'étais quelque part en Syrie et deux groupes se battaient entre eux. Un troisième groupe s'est présenté et a tenté de les convaincre de mettre fin à leur tuerie, à leur conflit et à se réconcilier. Les deux belligérants ont déposé leurs armes suite à l'intervention du troisième groupe et ils se sont embrassés. L'intéressé a déclaré que j'ai demandé à quelqu'un quant à l'identité du troisième groupe de personnes qui avaient réconcilié les deux adversaires. Et on m'a répondu qu'il s'agissait des membres de la Jamaat Ahmadiyya. Cette personne relate aussi que dans un autre rêve, Allah l'exalté m'a montré qu'on était dans la saison pluvieuse et qu'un vent frais soufflait. J'ai entendu une voix disant que la doctrine de la Jamaat Ahmadiyya est la seule vraie. J'ai prêté le serment d'allégeance après avoir vu ces deux rêves. Madame Malika de la France relate en ces termes son acceptation de l'Ahmadiyya. Elle déclare « Tous les membres de ma famille ont reçu le message de l'Ahmadiyya. » Souvent à la maison, on parlait d'un tel ou d'un autre qui a été guidé par Allah l'exalté grâce à un rêve et qui par la suite s'est joint à la Jamaat. J'écoutais tout cela sans rien dire. Mais un jour, j'ai imploré Allah l'exalté de m'informer si la Jamaat Ahmadiyya est vraie ou pas. Au cours des trois prochaines nuits, Dieu m'a montré trois rêves consécutifs. Dans le premier rêve, j'ai vu que le dernier jour était arrivé. Le chaos régnait partout. Mais mon frère et ma sœur, qui étaient tous deux Ahmadis, étaient tout à fait calmes, voire ils étaient ravis, tandis que moi, j'étais en larmes en raison du danger dans lequel nous étions. Mon frère et ma sœur n'étaient point inquiets. Ils disaient tout simplement, nous allons participer à une rencontre de la Jamaat Ahmadiyya. Je me suis cramponné à eux dans le rêve. Et dans un autre songe, ma sœur, qui est Ahmadi, m'a demandé d'accomplir la Salah, car c'est la seule voie à suivre. La troisième nuit, j'ai vu dans un autre rêve que j'étais en compagnie de mes frères et sœurs, et j'ai ressenti qu'Allah l'exalté avait écrit quelque chose sur ma main. Après ces trois songes, j'étais convaincu quant à la véracité de l'Ahmadiyya, et j'ai fait la Baïra, et à présent, toute ma famille est Ahmadi.
Monsieur Abdulaziz Traoré de la Côte d'Ivoire est en train de servir la communauté dans un village nommé Chepou. Il relate qu'un aîné du nom de Monsieur Oumara Traoré a vu dans un songe que des Arabes sont venus dans son village. Dans le rêve, les gens ont commencé à dire qu'il ne s'agissait pas en fait de vrais Arabes et qu'il fallait éviter de les rencontrer. La personne relate que j'ai entendu une voix qui disait que c'est uniquement par l'entremise de ces personnes que j'arriverai à atteindre Dieu. Après quelques jours, un missionnaire Ahmadi a visité notre village, raconte l'intéressé. D'aucuns ont dit qu'ils ne sont pas musulmans parce qu'ils savaient qu'il s'agissait d'Ahmadi. Et ils disaient qu'il fallait éviter ces personnes car c'est nos mollahs qui ont émis un fatwa à cet égard. Monsieur Traoré s'est souvenu de son rêve lorsqu'il a vu cette scène. Il a fait la baïra après quelques jours pour se joindre à la Jamaat. Et il a aussi participé avec beaucoup d'enthousiasme à la Jalsa Salana de la Jamaat de la Côte d'Ivoire. Monsieur Bachir Sakala du Congo-Brazzaville raconte ceci. J'ai participé à la première Jalsa Salana de mon pays en 2014. Et lors de la Jalsa Salana, j'ai appris que Jésus-Christ est décédé et qu'il ne descendra plus vivant du ciel. J'ai aussi su que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'un jour, les musulmans seront divisés en sectes et qu'il ne subsistera de l'islam que son nom. Viendra ensuite le Messie promis à l'islam, et seul sa Jamaat sera sur le droit chemin. Il raconte, j'ai commencé à étudier la littérature et les livres de la Jamaat Ahmadiyya. Et grâce à ces livres, j'ai compris que la Jamaat Ahmadiyya était véridique. Au cours de cette période, j'ai vu dans un rêve une nuit qu'une personne m'a offert de beaux vêtements de couleur blanche et rose. Au cours du mois du Ramadan, j'ai vu dans un rêve que je voyageais dans un bus splendide. Après ce rêve, j'étais rassuré que la voie que j'avais empruntée était supérieure, étant donné que le bus est un moyen de transport. Et j'ai embrassé l'Ahmadiyya après ce rêve. Un nouveau converti du Kirghizistan, du nom de Ishlin Ramil, relata en ces termes sa conversion. Il dit « Je suis né dans une famille musulmane et de ce fait l'islam ne m'était pas étranger. Or, jamais je n'ai médité sur le but de la religion jusqu'au jour où j'ai rencontré le président de la Jamaat du Kirghizistan sur mon lieu de travail. Nous avons discuté sur plusieurs sujets. Quand nous avons commencé à parler sur la religion, eh bien, j'ai compris peu à peu la réalité de l'islam. J'ai aussi compris que les musulmans d'aujourd'hui ne sont pas en train de suivre l'islam véritable. Ainsi donc, grâce à notre conversation, j'ai commencé à trouver les réponses à mes interrogations. Ces réponses étaient puisées du Saint-Coran, de la pratique du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, des recueils authentiques des hadiths, des écrits du Messie premier l'Islam, ainsi que des différents discours et sermons du calife. C'est ainsi que pour la première fois, j'ai commencé à lire le Saint-Coran. Un jour, j'ai décidé de faire la baïra. Cette même nuit, j'ai vu un ami de mon père dans un rêve qui m'a indiqué qu'il y a un signe dans un endroit quelconque, mais d'en informer personne, car les terroristes tenteront de détruire ce signe. Je suis parti voir ce fameux signe. Il s'agissait en fait d'un très grand jardin, un jardin duquel s'envolaient des créatures ressemblant à des papillons. Je me suis demandé comment nous pourrions cacher ce signe d'Allah l'exalté. J'ai moi-même, dans ce rêve, commencé à voler comme un oiseau en cet instant. Et je suis parti dans la maison de l'ami de mon père. Il était en train de boire du thé et croyait que je n'étais qu'un oiseau. Mais à trois reprises, je lui ai dit « Allahu Akbar ». Tout effrayé, il s'est demandé comment un oiseau pouvait-il parler. Ainsi, dans ce même rêve,
J'ai volé vers le ciel, je me suis transformé en ange. Quand j'ai regardé vers la terre, eh bien, tout le monde était mort. J'ai volé vers ma maison et j'ai pénétré à l'intérieur de ma maison dans ce rêve. Et ainsi, par la suite, je me suis réveillé. Après ce rêve, j'ai décidé de faire la Bayra, étant donné qu'Allah l'Exalté m'avait accordé cette force spirituelle. Ainsi donc, j'ai prêté le serment d'allégeance et j'ai adhéré à la Jamaat Ahmadiyya. Monsieur Abdul Hadi de l'Égypte relate, « Bien avant de connaître l'Ahmadiyya, j'ai vu dans un songe que je marchais vers un lieu inconnu en empruntant une voie déserte. Sur ce, un saint personnage est apparu. Ce saint personnage m'a écarté de cette voie et m'a placé sur une nouvelle route. La chose étrange est que j'ai marché sur cette nouvelle voie de gaieté de cœur et sans me plaindre. J'ai suivi la voie sur laquelle cette personne m'avait placé. En fait, par son comportement bienveillant, j'avais ressenti qu'il m'avait protégé d'une mauvaise fin et qu'il m'avait placé sur la voie de bien immense, une voie qui allait mener à une bonne fin. En suivant cette voie, je suis arrivé sur un sommet, d'où j'ai pu voir la première voie que j'empruntais. J'y ai vu un tyran qui avait réduit à l'esclavage certaines personnes. Je me suis dit que si le pieux personnage ne m'avait pas écarté de cette voie, j'aurais été moi aussi victime de cette injustice comme les autres. Ainsi, dans le rêve, je me suis dit que peut-être que ce pieux personnage était Moïse, le prophète de Dieu. Après quelque temps, quand j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya, j'ai su que la voie que je suivais me menait en fait vers la destruction. L'homme vertueux qui m'avait écarté de cette voie pour me placer sur la nouvelle voie était en fait le Messie promis à l'Islam. La nouvelle voie était l'Ahmadiyya, c'est-à-dire l'Islam véritable. J'ai présenté là quelques récits. Certains de Kazan, du guerre résistant, des anciennes républiques de l'URSS. J'ai présenté des récits de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, d'un pays arabe. Tous ces récits concernaient des peuples différents parlant des langues différentes. Mais toutes ces personnes ont reçu la même direction. Qui est en train de guider toutes ces personnes? Il s'agit certainement de Dieu l'Exalté qui est en train de guider ces personnes. Allah l'Exalté qui avait fait la promesse au Messie premier l'Islam qu'il accroîtra le nombre de ses bien-aimés sincères. Monsieur Shakur, un Ahmadi du Maroc, relate sa conversion en ces termes. Il a déclaré « Quand j'ai connu l'Ahmadiyya au tout début, je suivais l'émission « L'Ikam al-Arab » régulièrement. Durant ces jours, j'ai vu dans un songe le quatrième calife emprunter une voie qui menait au sommet d'une montagne. Le calife portait un vêtement blanc pakistanais et je lui emboîtais le pas et je me suis rapproché du sommet de la montagne. De là où je me trouvais, je voyais une lumière brillante. Derrière le sommet de la montagne, la lumière s'étendait à l'horizon et ressemblait à l'aurore. J'ai ressenti de la peur et mes pas se sont ralentis. Ayant ressenti ma crainte, le quatrième calife s'est retourné vers moi. Et en voyant son visage resplendissant, j'ai ressenti une étrange sensation. Et j'ai dit, « On ne sait pas ce qui se trouve derrière la montagne, d'où vient cette lumière. » Le calife a souri et m'a demandé de le suivre sans crainte. Par la grâce de Dieu, en dépit de la peur et du danger, en accord à ce rêve, je n'ai cessé de suivre l'émission des Kamal Arabes. Et j'ai suivi le quatrième calife jusqu'à atteindre la destination de ma conversion à l'Ahmadiyya. J'avais décidé de faire la Bayra après avoir connu l'Ahmadiyya. J'ai participé à une cérémonie de Bayra à travers la MTA en répétant les paroles du serment d'allégeance. Or, je n'étais point satisfait étant donné que les paroles de la Bayra étaient en anglais et je n'y avais pas compris grand-chose.
je n'étais point satisfait. Selon moi, on accomplit la Bayra quand on croit dans la véracité du Messie promis les salam et quand on tente de suivre les conditions de la Bayra. Et je m'évertuais en ce sens. Et quand j'ai pu contacter la Jemaat, eh bien, ma femme aussi a eu l'occasion d'embrasser la vérité. Et ainsi, au début de l'année 2010, nous avons rempli le formulaire de la Bayra et nous l'avons envoyé. Le docteur Hijaz Karim de l'Algérie relate sa conversion. Le docteur Hijaz Karim est membre du conseil d'administration de la Jamaat de l'Algérie et il sert en tant que secrétaire général. Il a aussi été emprisonné pendant quelque temps dans la voie de Dieu. Sa situation est jusqu'à présent très difficile. Qu'Allah le soulage de ses tourments. Il relate « J'étais fort désemparé en constatant les enseignements défigurés de l'islam et les exégèses erronées du Coran. En entendant les explications des ulémas, je me demandais s'il s'agissait réellement de la parole de Dieu. Jusqu'au jour où je suis tombé sur les livres de l'Ahmadiyya et de son fondateur grâce à un ami jordanien qui était Ahmadi. Avant d'étudier les commentaires du Messie promis l'islam, j'ai accompli des salats nawafil dans lesquels j'ai demandé à Dieu de me guider vers le droit chemin. Au fil de ma lecture, j'étais de plus en plus serein. Je frissonnais en raison du poids de ses paroles. Et j'étais sûr et certain qu'il ne s'agissait pas de paroles d'un simple homme, mais de révélations divines. Mais avant de faire la Bayra, j'ai accompli la prière Istikhara. Dans un songe, j'ai vu que je traversais la ville en compagnie de mes amis et qu'une lumière nous accompagnait. Mon téléphone a sonné dans ce rêve. Et j'ai su qu'il s'agissait d'un appel venant de l'imam Al-Mahdi. Et j'ai décidé de lui rappeler en me disant que s'il ne répondait pas, il serait un vrai prophète. L'idée m'était venue dans le rêve, pour quelle raison, qu'un prophète ne répond jamais à un appel téléphonique. Ainsi j'ai téléphoné, cela a sonné pendant longtemps, mais personne n'a décroché à l'autre bout du fil. Après cela, le Messie promis est apparu devant moi dans toute sa splendeur. J'ai commencé à réciter le Coran et la prière demandant la protection divine contre Satan, afin que Satan ne me trompe pas concernant le Mahdi. Et je me suis réveillé en raison de la peur. C'était l'heure de la prière de Fajr, j'étais convaincu que le rêve était vrai, et par la suite j'ai fait la Bayra. D'aucuns deviennent des signes pour les autres, les poussant à faire le serment d'allégeance. Le missionnaire en charge du Sénégal relate un incident à ce propos. Il dit « L'Ahmadiyya a été implantée dans trois villages du Casamance, du Sénégal. » En voyant le progrès de la Jamaat, les chers anti-Ahmadi ainsi que le chef du village ont décidé d'envoyer des malédictions sur la Jamaat. Ils ont récité les versets du Saint-Coran et ils ont frappé leurs mains au sol en priant. « Oh Allah, détruit la Jamaat ainsi que le missionnaire. » Ils étaient tous des musulmans. Or, quelques jours après leur imprécation, leur plus grand imam a été mordu par un serpent. Tous les imams se sont réunis pour implorer Dieu d'exalter, de le sauver, mais il est décédé après avoir vomi du sang. Après quelques jours, le chef du village qui avait maudit la Jamaat a lui aussi été mordu par un serpent. Les chers se sont réunis pour prier pour lui, afin qu'il soit sauvé, mais lui aussi est décédé. Après ces deux incidents, la peur a terrassé les cœurs des gens du village et ils ont déclaré que c'était le résultat des malédictions envoyées sur la Jamaat Ahmadiyya et son missionnaire. Mais les chers ont rétorqué qu'il ne s'agissait pas de l'œuvre de Dieu, mais que les djinns avaient possédé des serpents qui tuaient des gens. Après quelques jours, le chef adjoint du village a lui aussi été mordu par un serpent et il est décédé lui aussi. Les gens sont venus à la rencontre de notre missionnaire qui ignorait tout des malédictions envoyées sur la Jamaat. Les gens du village lui ont tout raconté et l'ont imploré de les sauver. Ils lui ont dit que leur imprécation s'était retournée contre eux. Le missionnaire est parti dans leur village. Et il leur a présenté cet avertissement du Messie promis les salam.
dans lequel il disait que Dieu retournera contre ses adversaires les malédictions qu'ils lanceront contre lui et que sa Jamaat progressera. Par la grâce d'Allah, 700 habitants de ces trois villages ont embrassé l'Ahmadiyya. Les adversaires ouvrent parfois la voie de la quête de la vérité à ceux qui sont doués de bonne nature. Ainsi donc, le Mualim de la région de Boromo du Burkina Faso relate cet incident. Il déclare que le fils d'un imam wahhabite du village Koura a participé dans une réunion de tablir. Il a constaté qu'un érudit non ahmadi qui avait fait son doctorat insultait vertement le Messie promis l'Islam au lieu de présenter des arguments. Cette réaction de la part de cet érudit non ahmadi a eu un impact important sur ce jeune homme qui a décidé d'effectuer des recherches sur la Jamaat. Il écoutait régulièrement les émissions de tablir de la Jamaat qui étaient diffusées à la radio. Un jour, il s'est enquis auprès de son père qui était un imam wahhabite à propos de la Jamaat. Son père lui a répondu que les Ahmadis n'étaient pas des musulmans et qu'il ne fallait donc pas s'en approcher. Mais en dépit de cela, il n'a cessé d'écouter régulièrement les émissions diffusées à la radio. Il est entré ensuite en contact avec un de nos mualims et il a rejoint la Jamaat en faisant la baïra. Lorsque son père a eu vent de cela, il l'a expulsé de sa maison en l'insultant. Après quelques jours, le jeune homme a reçu un appel de sa mère l'informant que depuis son départ, il n'y avait ni paix ni sérénité à la maison et lui demandant de rencontrer son père et de se réconcilier avec lui. Lorsque, suivant les conseils de sa mère, il est rentré, il a constaté que son père avait réuni tout le village. Son père a déclaré qu'il n'était plus son fils et qu'il était mécréant. En accord aux traditions africaines, la colère du père est très mal vue et cela a inquiété le fils qui s'était récemment converti à l'Ahmadiyya. Et il a prié. Un jour, il a vu dans un rêve que s'il souhaite obtenir le salut, eh bien, il doit se cramponner à l'Ahmadiyya. Ce rêve l'a renforcé davantage dans sa foi. Et le jeune homme a dit à son père que celui-ci pouvait faire tout ce qu'il voulait et qu'il n'abandonnera jamais l'Ahmadiyya. Ainsi, lorsqu'Allah sème la graine de l'Ahmadiyya dans les cœurs de ces gens qui sont à des milliers de kilomètres, eh bien, il renforce également leur foi. Là où par l'intermédiaire des véritables enseignements de l'Islam, Allah, l'exalté, a établi un groupe de personnes fortement attachées au Messie promis l'Islam, eh bien là-bas il a également développé un amour réciproque entre ses suivants. En mentionnant cet amour, l'amir Zab du Bénin relate ceci. Il y a un village appelé Calé dans la région de Parakou, village qui se situe à 114 km de la ville de Parakou. Pour y accéder, il faut passer par des chemins de terre et traverser des forêts. C'est un village situé au cœur de la forêt. L'année dernière, nous sommes partis dans ce village. Il y a eu là-bas des baïras. Et cette année-ci, on a organisé une jalsa sous l'ombre des arbres. Et nous avions également invité des nouveaux convertis. Lorsqu'un groupe de la Jamaat est arrivé dans ce village après un long et fatigant voyage, les habitants les ont accueillis avec des slogans si puissants et de manière si chaleureuse qu'en voyant cette sincérité des villageois, toute la fatigue du voyage s'était dissipée. L'Amir relate, là-bas le président nouvellement converti de la Jamaat de Makara a présenté son ressenti. Il a dit, mes chers amis, c'est la voie de la vérité, la voie qui nous a accordé la vie. C'est cela l'islam véritable qui nous a enseigné de nous aimer les uns les autres. Les imams non ahmadis ont tenté de supprimer cet amour en fomentant le désordre, mais l'Ahmadiyya nous a réunis. De même, un autre président nouvellement converti de la Jamaat de Dourou a relaté « C'est l'Ahmadiyya qui nous a enseigné ce qu'est l'islam véritable. Lorsque nous sommes partis à la Jalsa Salana, personne n'a fait de distinction entre nous. Les habitants de différents villages et des différentes villes étaient tous réunis au même endroit. Il n'y a pas eu de bagarre ni de dispute. L'Ahmadiyya nous a inculqué la compréhension de notre religion. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé à accomplir la prière. » Un autre nouveau converti a déclaré « Nous remercions l'Ahmadiyya d'avoir permis aux sauvages que nous étions de devenir des êtres humains. Ici, le fils ne saluait pas son père, mais les missionnaires et les mualimines Ahmadi nous ont dispensé une telle éducation que maintenant nous entendons des salutations de paix de toutes parts. »
de parmi les musulmans et les non-musulmans, Allah l'exalté fortifie la foi de ceux qui sont de nature pieuse après leur avoir permis de se joindre à l'Ahmadiyya. À ce sujet, l'amir de la Sierra Leone relate que dans la région de Bo de la Sierra Leone, une nouvelle jamaat fut créée à Silou. Mais l'imam de cette ville n'avait pas encore fait la baïra. Lorsque l'imam a décidé d'embrasser l'Ahmadiyya et qu'il en a fait l'annonce, des personnes mal intentionnées sont parties là-bas dans le but de fomenter le désordre. Ils ont dit à l'imam que la mosquée que tu diriges appartient à la secte des Malikites. Tu dois abandonner l'Ahmadiyya ou tu dois démissionner de ton poste d'imam de cette mosquée. L'imam a répondu « J'ai accepté l'Ahmadiyya après une longue période de recherche et de lecture. Je suis imam et j'ai une meilleure compréhension de ces sujets. Et je vous annonce donc que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Je vous rends votre mosquée ainsi que le poste d'imam. Il m'est impossible pour moi de rejeter l'Ahmadiyya. » Ainsi, il y a de ces imams et de ces ulémas, de ces savants, à qui Allah l'exalté accordait l'opportunité de comprendre et d'accepter la vérité. Mais si l'on regarde d'autre part les ulémas du Pakistan, nous voyons qu'à l'opposé, ils ne font qu'à leur tête et ils ne cherchent qu'à se remplir le ventre. M. Tawfiq Amolim du Bénin relate ceci. Il raconte qu'un ami chrétien, M. Bamisourou Karim, a eu l'opportunité d'embrasser l'Ahmadiyya. Il nous a invités dans son village, qui s'appelle Hiti, afin d'y faire l'établir. Et il a relaté que même si personne dans le village n'accepte la vérité, même si les autres me persécutent, je suis Ahmadi et je resterai toujours Ahmadi, même si je suis seul, je continuerai à faire l'établir. Tel est l'enthousiasme témoigné par ces nouveaux convertis. C'est là une leçon pour les Ahmadis de longue date. Après le programme d'établir dans son village, 20 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Après quelque temps, un étudiant de la Jamia Ahmadiyya du Nigeria, M. Bachir, a été envoyé là-bas pour faire leur éducation et 100 personnes de plus ont accepté l'Ahmadiyya dans ce village. En voyant le nombre croissant de personnes qui acceptaient l'Ahmadiyya, l'imam du village a commencé à s'opposer à l'Ahmadiyya. Tous les matins, il faisait des prêches contre la Jamaat. Mais les Ahmadis sont restés fermes. Et le premier Ahmadi du village, M. Bassimourou Karim, a déclaré que tant que la Jamaat ne trouve pas de terrain pour construire une mosquée, eh bien ma maison pourra faire office de mosquée. Par la grâce de Dieu, les Ahmadis ont accompli la prière de vendredi là-bas, la prière de l'Aïd. Lorsque l'imam de la mosquée a vu que les Ahmadis ne cessaient de progresser de jour en jour, il est venu voir M. Bassimourou Karim et il l'a traité de mécréant. M. Karim, qui était chrétien naguère, a dit que « Lorsque j'étais chrétien, personne d'entre vous ne m'a transmis le message de l'islam. Et à présent, lorsque grâce à l'Ahmadiyya, je suis devenu musulman Ahmadi, tu commences à me traiter de mécréant. Je suis Ahmadi, je mourrai Ahmadi. » L'imam est parti de là-bas frustré et par la grâce de Dieu, M. Karim est un prédicateur très actif et il invite les gens vers Allah. Il est passionné de tablir. En dépit de l'opposition de la part de l'imam, il est en train de faire l'établir avec un grand enthousiasme. Et par son intermédiaire, de nouvelles personnes ont accepté l'Ahmadiyya. Monsieur Konate Abdoulhaï, missionnaire local du Burkina Faso, rapporte qu'un certain monsieur Diallo Ibrahim, un nouveau converti, lui a informé que tout en étant musulman, il consommait beaucoup l'alcool. Et il en buvait tellement que les gens le prenaient pour un fou. Personne ne s'approchait de lui. Une fois, il est tombé malade, et personne n'était venu lui rendre visite. À partir de ce jour, il a commencé à écouter la radio de la Jamaat Ahmadiyya, et Dieu en conséquence l'a guidé. Il est entré dans la Jamaat et il a arrêté de consommer de l'alcool. Mais peu de temps après, il est retombé malade, tant et si bien qu'il savait qu'il lui restait peu de jours à vivre. Il a commencé à prier en ce sens. « Oh Allah, si l'imam Al-Mahdi, en lequel j'ai cru, est véridique, eh bien, accorde-moi une longue vie. » Dieu a exaucé sa prière. Non seulement que Dieu l'a guéri, mais il lui a accordé une bonne santé, tant et si bien qu'il a pu participer à la Jalsa Salana.
Il disait que tout cela était dû aux bénédictions attachées à l'imam al-Mahdi. S'il est en vie aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il a accepté la vérité. Monsieur Damilé de la Côte d'Ivoire relate le récit de sa conversion. Il déclare « J'adorais les idoles. Un jour, dans un rêve, j'ai vu une femme âgée qui m'a offert un seau d'eau ainsi qu'un tapis de prière et m'a demandé d'accomplir la prière. Je n'ai pas compris ce rêve et je suis parti voir un savant musulman pour qu'il me l'interprète. Il m'a dit « C'est clair, il faut que tu commences à prier, c'est tout. » Par conséquent, j'ai commencé à prier dans une mosquée en Ahmadi. Mais je me consacrais toujours à mes idoles. Quelques jours après, j'ai vu de nouveau ce rêve et cette femme m'a dit de prier. J'étais fort inquiet car j'avais déjà commencé à prier et j'ai commencé à réfléchir sur la véritable signification de ce rêve. Je suis parti voir mon frère aîné qui est Ahmadi et je lui ai relaté le rêve. Il m'a dit que ce songe signifie que je devais accepter l'Ahmadiyya. J'ai donc contacté un missionnaire de la Jamaat Ahmadiyya suite à ses conseils et j'ai pris de l'information à propos de la Jamaat et j'ai décidé de faire la Bayra. Je priais avant même que je ne fasse la Bayra, mais j'étais toujours enclin aux idoles. Mais grâce à l'Ahmadiyya, mes pensées idolâtres ont complètement disparu. En acceptant l'Ahmadiyya, j'ai acquis la Salah véritable et j'ai connu le Dieu véritable. Grâce à l'Ahmadiyya, j'ai fait la connaissance du vrai Dieu. Ainsi, ces récits de nouveaux Ahmadis sont des leçons pour les anciens Ahmadis. Le missionnaire de Kazan écrit qu'en 2014, la Jamaat de Kazan avait placé une photo du Messie promis à l'Islam dans le magasin de M. Farid Ibrahim. Au bas de la photo, il était clairement écrit en russe que l'imam al-Mahdi tant attendu est venu. L'adresse du site web de la Jamaat a aussi été inscrite. Son magasin se trouve dans le centre-ville et environ 10 000 personnes passent devant son magasin tous les jours. Et grâce à cette photo, beaucoup de personnes contactent la Jamaat et celle-ci ouvre la voie pour l'établir. Et beaucoup de gens ont utilisé cette voie pour contacter la Jamaat. Un Ahmadi pakistanais d'ici est parti quelques jours de là-bas pour son business. Il m'a envoyé une photo de ce même endroit, je pense, où l'on voit une grande photo du Messie promis l'Islam dans un magasin. Et il m'a dit qu'il était là-bas en train de regarder la photo. Et quand deux personnes d'origine pakistanaise sont passées par là, ils ont commencé à regarder la photo. L'un a dit à son ami que c'est la photo de Mirza Saheb de Qadian. La femme qui tenait le magasin avait uniquement entendu cela lorsqu'elle a commencé à dire que c'est l'imam al-Mahdi, il est déjà arrivé, en se référant à la photo. L'Ahmadi a dit que j'ai entendu cela et je suis parti de là. Donc, c'est aussi une façon de prêcher le message de l'islam de l'Ahmadi. L'amir Sab du Burkina Faso écrit ceci. Monsieur Paré Idriss, un nouveau converti, rapporte qu'après avoir fait la Bayra, il a rêvé que là où il se trouvait auparavant règnent les ténèbres, et là où il se trouve à présent, il n'y a que lumière. Ensuite, il s'est réveillé. Sa personne en question était naguère wahhabite. Il a commencé à dire à ses amis, « Si aujourd'hui vous êtes à la recherche de la lumière, eh bien vous ne la trouverez qu'en l'Ahmadiyya, car l'institution du califat y est établie et notre victoire est attachée au califat. » Par la grâce de Dieu, M. Paré est à présent un prédicateur permanent et il fait beaucoup de tablighs. Dieu est en train de guider les gens vers les véritables enseignements de l'islam. Et Inch'Allah, un jour, grâce au Messie promis l'Islam, l'Islam véritable prévaudra dans le monde entier. Qu'Allah accorde la possibilité à tout le monde de prendre part dans ses bénédictions en devenant des prédicateurs permanents. Que nous soyons vigilants à cet égard. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. La première est celle de Madame Rochid Ukraya Sahiba, épouse de Molvi Mansour Ahmad Saheb Ganouke, un derviche de Qadian. Elle est décédée le 1er septembre 2017, le vendredi et le jour du Hajj. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était l'arrière-petite-fille de Musa Kabiruddin Saheb,
un compagnon du Messie premier al-Salam. Son mari était un missionnaire assigné aux campagnes indiennes et elle s'était mariée en 1956. Elle a supporté son mari dans tous les moments difficiles de sa vie sur le terrain et elle a passé une vie dans la patience et elle était reconnaissante envers Dieu. Elle était régulière dans ses prières, elle accomplissait la prière tahajjoud, elle avait un grand sens de l'hospitalité, elle était sincère envers le califat, aidait les nécessiteux. C'était une dame très pieuse, elle écoutait mes sermons sur la MTA et encourageait ses enfants à en faire de même. Elle était malade depuis fort longtemps et la Jamaat avait offert son aide, mais elle refusait à chaque fois et demandait à ses enfants d'utiliser leurs propres moyens pour son traitement. La défunte était Moussi. Elle laisse derrière elle deux fils ainsi que deux filles. Un de ses gendres habite en France. Il est d'origine marocaine. Qu'Allah accorde à la défunte un haut rang au paradis et qu'il accorde à ses enfants la possibilité de continuer ses bonnes œuvres. La deuxième prière funéraire est celle du docteur Salahuddin Saab du New Jersey, fils de Molvi Imamuddin Saab. Imamuddin Saab, qui était un missionnaire de la communauté Ahmadiyya en Indonésie, le défunt est décédé le 10 septembre 2017 des suites d'un arrêt cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait fait son doctorat en sciences et en vacances, il venait souvent à Londres, surtout à l'époque du quatrième calife, et il servait dans le bureau du secrétaire privé ainsi qu'en tant que garde du corps. Il servait dans ces deux départements avec beaucoup de responsabilités. Le défunt avait une personnalité très attachante et les gens s'attachaient très rapidement à lui et il se rapprochait des cœurs des gens. Le défunt était assez grand et il était aussi très intelligent. Il avait fait son doctorat et il était brillant dans ce domaine. Il était doué d'autres connaissances. Tout en ayant ces qualités, c'était aussi quelqu'un de très modeste, de très humble. Il avait le don de pouvoir s'adresser à chaque type de personne. Et comme je l'ai déjà mentionné, il a travaillé longtemps au sein du bureau du secrétaire privé à l'époque du quatrième calife ainsi que dans le département de la sécurité. Et il a toujours fait preuve d'un grand enthousiasme. L'amir Saab de la Jamaat des États-Unis écrit à propos du défunt que le docteur Salahuddin faisait partie de la Jamaat du New Jersey. Il a supervisé depuis très longtemps l'équipe de volontaires de la cuisine pendant la Jalsa Salana. Le défunt était pour nous un exemple de service infatigable et empli d'abnégation durant la Jalsa Salana. Il ne se montrait pas beaucoup, mais travaillait avec humilité et était toujours prêt à rendre des services pour le bien-être des invités du Messie premier d'Islam. Il disait que je ne désire aucun poste, je suis prêt à faire tout service que vous me demanderez. Il éprouvait un amour sincère pour le califat. Moi-même, je le connaissais durant mon enfance à Rabwa et j'ai remarqué qu'il avait aussi cet amour sincère envers le califat et envers moi après que j'ai été élu calife. Qu'Allah lui accorde un haut rang au paradis, il ne s'était pas marié. Qu'Allah accorde de la patience à ses sœurs. Et qu'Allah accorde aux enfants de Molvi Imamuddin Saab la possibilité de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد
اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.